Salut à tous. Donc, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui mon expérience de ma seconde greffe de cheveux. Donc, j'en ai eu une première il y a 5 ans à peu près. Et donc, c'était pour descendre la ligne frontale. Malheureusement, la zone donneuse était trop petite. Donc, ça m'a laissé des trous dans la tête, à l'arrière. Donc, à chaque fois que j'avais les cheveux assez courts, ça se voyait. On avait l'impression qu'il y avait une grosse cicatrice. Les gens me demandaient parfois qu'est-ce qui m'était arrivé. Et donc, j'ai cherché une solution pour corriger ce problème et donc subir une nouvelle opération, une nouvelle greffe des cheveux. Et cette fois-ci, j'ai dû raser complètement la tête, mais ce qui a fait aussi que la zone donneuse était beaucoup plus large, beaucoup plus grande, et donc le résultat devrait être harmonisé. Donc voilà, pour toutes les personnes qui ont vécu une mauvaise expérience, une mauvaise première expérience dans le passé avec une greffe et qui souhaiterait une deuxième greffe, une nouvelle chance pour corriger ce problème, sachez que c'est possible. J'ai mis du temps à l'accepter, j'ai eu peur, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que ça sera encore pire? Est-ce que ça sera mieux? Et donc voilà, c'était simplement pour vous partager mon expérience et j'espère que je pourrai vous inspirer et vous aider à passer à l'action et donc à subir une nouvelle greffe si vous en avez besoin. Alors lors de ma première greffe de cheveux, j'ai rempli les golfs et j'ai descendu la ligne frontale. Donc j'étais content, mais avec le temps, quand j'ai vu que la zone donneuse, elle avait été un petit peu endommagée et ça se voyait sur ma tête que j'avais subi une greffe, donc j'étais un petit peu mécontent. Et donc j'ai recherché des solutions alternatives et j'ai eu écho de Hair of Istanbul par des amis qui avaient également subi une greffe ici, donc j'ai pris énormément confiance. J'ai contacté le support en français avec l'interprète qui m'a expliqué toute la procédure de A à Z. Donc toutes mes questions, elles ont eu une réponse. Je leur ai parlé aussi de mon expérience passée en leur montrant les résultats de ma première greffe. Et je voulais savoir si c'était possible d'améliorer ce résultat. Et donc ils m'ont dit que oui. Donc on a pris un rendez-vous et ensuite toute l'expérience s'est très bien passée. Donc du moment où j'ai pris mes billets d'avion pour Istanbul, à chaque étape, ils sont venus me chercher à l'aéroport, même si c'était pendant la nuit. Ils m'ont accompagné vraiment à toutes les étapes. Donc à aucun moment je me suis senti perdu, délaissé. Je recommande énormément cette clinique qui est très professionnelle. Ils font les choses très bien. J'espère que vous aussi, si vous voulez subir une greffe, vous viendrez dans cette clinique. Voilà, merci.